Non, bah, de toute façon, la manif, c'est marre pour nous, quoi. Bah ouais, non, je pense qu'ils vont, soit ils vont nous relâcher en fin d'après-midi, soit ils vont nous auditionner. Vous avez un petit message à faire passer? Ouais. Alors, nous sommes actuellement pris en otage par la police nationale pour possession de gouttes. Je dis, je vais de matériel de journalisme. Bon, bah, allez, et donc, bah voilà. Merci. À titre personnel, c'est pour un Opinel à charge sentimentale que j'ai été embarqué. Voilà, alors arrêtez pour posséder du sérum fille, des masques et des lunettes anti-lacrymo. On embrasse Michel Cadeau et Maurice Papon. Le casse-neuf Emmanuel Valls. Ah oui. Oui. Maurice n'est pas vraiment mort. Les casseurs aujourd'hui viennent en short. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Les casseurs viennent en short. Alors il fait pas du tout chaud. Non, pas du tout. Non, ça va. Dans la camionnette, la preuve, la bouteille d'eau, elle a pas chaud du tout. Quoi. On est en train je suis pas du tout en train d'en suer. C'est un vrai sauna, quoi. Bonne ambiance. Hein. Il y en a derrière, d'accord. Les CRS, je sais pas où on est. Les CRS ont inventé le spa portable. Allez, tous à poil. Vas-y. Dépêchez-vous, ils sont sur Périscope. Et ça se trouve, il y a le mec qui est à côté. Oh, il y en a une autre voiture derrière. Il y en a devant, il y en a derrière. Panique. Ah non, mais je sais pourquoi t'as été embarqué, toi t'as un cible anti-inflammé sur ton chapeau. Là, ouais, c'est écrit révolution aussi. Je voudrais saluer les grands hommages. On prend des risques, on prend des risques. Ah, le code de la route. Allez, le code de la route. Ils sont droits, ils ont droit, t'as fait la signature. Aujourd'hui, c'est la mort de la liberté de la presse et du code de la route. Pourquoi est-ce qu'on est dans un camion? Bonne question. Très bonne question. Ils sont où les brouillards? Bah, pas dans la camionnette. C'est les camionneurs qui prennent en stop. Voilà. On veut des caresses, pas des CRS. On veut des caresses, pas des CRS. Ah, une petite visite touristique dans Paris, offerte par la préfecture partout, de police de Paris. Justine nulle part. Pauline partout, Justine nulle part. Ah, on est à Max Dormois, c'est. Voilà. Je tiens à faire remarquer qu'à un moment, on était arrêté dans la rue et il y a une journaliste qui s'est approchée, qui a essayé de savoir ce qui se passait. Et là, tout d'un coup, les policiers ont été. Comment dire, très musclé dans leur manière de dégager cette femme. D'ailleurs, on ne l'a pas revue. D'ailleurs, on n'a pas pu la revoir et on n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. Alors là, on voulait faire des touristiques. Ah, celle-là, tu n'as pas fait Crémy Busy encore. Hein. Donc, là, c'est le vin est pas mal, ils sont un peu chers, mais le vin est pas mal, là, juste là. Voilà, alors bon, pour information, prenez des notes. Alors, on a été arrêté boulevard du Temple au numéro 1, je crois, à 12h45. Normalement, si on n'est pas sorti à 16h45, c'est que c'est pire qu'une vérification d'identité. Effectivement, on passe à côté de l'Alpajol. Et j'ai une bonne information pour vous, le policier commandant qui nous a qui a procédé à notre arrestation, de l'unité qui a procédé à notre arrestation, c'est une personne, enfin, on nous a demandé a priori, bon, il est présumé innocent, mais on nous a demandé de témoigner contre lui parce qu'on avait filmé des images le 28 avril dans la nuit quand une personne manifestant était au sol. Et donc voilà, il nous a vu, il nous a reconnu, il a fait, bah tiens, on va les faire chier et puis on va les mettre dans le machin. Voilà, la liberté de la presse. Ouais. Est-ce que quelqu'un a un message à passer? Je sais pas. Fait chaud. Non, tout le monde déteste la police, voilà. Ça se confirme. C'est ça. Liberté, on a envie de dire. Liberté, bordel. L'état d'urgence est à policier. Voilà. On nous enlèvera pas le droit de suer, en tout cas. Voilà, c'est ça. Voilà. On a le droit maintenant. Voilà, enfin je sais pas quoi raconter, c'est fatigant. C'est le chemin vers la. Peut-être la garde à vue. A priori, on n'est pas 12 journalistes dans le camion. Il y a moi de Taranis News, Gaspard, il y a Alexis Craland de. Donc, à peine arrivé en bordure de manif. Voilà, tout le monde appelle son maman. Dans un fourgon avec 12 autres personnes. On arrive bientôt. On est à deux pas. Apparemment, c'est où on va avaler nos quartiers, mais puis on espère qu'on sortira avant 17h, quoi. En sachant que voilà, on est journaliste, qu'on s'est présenté au checkpoint et qu'on s'est fait arrêter. Voilà comment ça se passe. Et oui, ça se passe en France. Voilà. Il y a Robocop dehors, allez, salut. Oui, c'est pas ça.